Le commerce sur Internet, ça marche, c'est même plutôt fort. Le commerce en ligne ne connaît pas la crise. Rien que pour les fêtes de fin d'année, 1 milliard d'euros ont été dépensés. Le e-commerce est entré dans les mœurs, un système qui a ses avantages et que les particuliers utilisent notamment pour les livres, les billets d'avion, les DVD et tout simplement pour faire ses courses aux Trois Suisses, comme le montre ce reportage dans le Nord de Frédéric Vian et Patrick Grossam. C'est un clic qui vaut de l'or. Un secteur qui se rit de la morosité économique avec une croissance de plus de 53% en 2004. La vente sur Internet a fait entrer la vieille vente par correspondance dans le 21e siècle et elle profite d'abord aux poids lourds de la profession. Ici par exemple, au centre de tri national des Trois Suisses, d'où partent toutes les commandes, près d'un paquet sur cinq a été acheté sur Internet, une proportion qui augmente à un rythme exponentiel. Sur la totalité de Trois Suisses, sur les derniers mois, eh bien, Internet représente maintenant près de 20% du chiffre d'affaires. Sur le dernier trimestre, on a eu des croissances en nombre de commandes à peu près à plus 70%. Et il faut bien se dire que cette année, Trois Suisses a doublé le nombre de connexions sur son site par rapport à l'année dernière. Avec les livres et les disques, ce sont d'abord des vêtements que les Français achètent en ligne. Des commandes que les plus méfiants peuvent toujours régler à la réception dans les milliers de points relais des VPCistes, même si désormais donner son numéro de carte bleue directement sur Internet est tout à fait sécurisé. Internet, c'est le moyen de payer le plus sécurisé en France. C'est beaucoup plus sécurisé que le chèque, c'est beaucoup plus sécurisé que le cash, parce que quand vous avez un billet sur vous, vous pouvez vous le faire voler. Quand vous payez sur Internet, il n'y a aucun risque de sécurité. Et en plus, si jamais il y a un risque, votre banque vous rembourse tout de suite. Les internautes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Sur le site de cette marque spécialisée dans la vente à bas prix, plus de 10 000 connexions chaque jour se terminent par un achat. Et le chiffre d'affaires a augmenté l'an dernier de 150%.